Ici Louise Arcan. On parle de haies. Comment créer vraiment une belle haie? La première chose qu'il faut savoir, est-ce qu'on veut une haie décorative, une haie en fleurs ou on veut vraiment une haie pour cacher le voisin ou avoir un écran? Si on choisit vraiment d'avoir un écran, c'est-à-dire un feuillage persistant, on va choisir bien souvent le cèdre. Le cèdre, c'est vraiment le meilleur choix pour s'offrir une belle haie. Dans les cèdres, il y a plusieurs variétés. Il y a les variétés cultivées, les sauvageons qu'on appelle, et il y a plein d'autres variétés pyramidales dans les cèdres. Le meilleur, c'est le cèdre à haie, parce que c'est un cèdre qui va avoir vraiment une belle tête. Il y a plusieurs têtes et ça va faire un cèdre qui est vraiment, vraiment dense. Et dès la première année de plantation, vous allez déjà avoir une haie qui est compacte. Souvent, les personnes me demandent, ils ont acheté un cèdre, ils ont planté, ils ont voulu faire une haie, mais en haut, c'est tout dégarni. C'est parce que ce sont des cèdres qui sont pyramidales. C'est des cèdres qui ont une forme en pyramide, donc ne formeront pas une haie là, qui est vraiment dense qu'on va pouvoir tailler. Aussi, pour la taille des cèdres, souvent, on me demande, c'est quand le meilleur temps pour tailler nos cèdres? À Saint-Jean-Baptiste, là, c'est le coup d'envoi pour tailler nos cèdres. Dès la Saint-Jean-Baptiste jusqu'en juillet, il n'y a pas de problème pour tailler nos cèdres. Aussi, c'est de choisir des journées qui sont pas, qu'il n'y a pas de canicule, là, pour pas que ça endommage nos cèdres. Et aussi, quand on va tailler les cèdres, c'est vraiment d'y aller avec une forme d'un trapèze. Puis on va aller plus large en bas, puis ensuite, on va aller avec une forme plus arrondie vers le haut. Parce que souvent, quand on taille les cèdres trop droit en haut, c'est que l'hiver, bien souvent, avec la neige, ça peut vraiment briser là, le centre de notre haie, puis faire une ouverture. Alors, quand on donne un parc qui est plus arrondi, ça va créer vraiment une belle haie. Et en bas, ça va empêcher qu'il dégage parce qu'ils vont atteindre la lumière. Ensuite, si on va aller plus avec des variétés plus décoratives, ah, sauf que je t'ai appris à oublier un super important, le buxus, qui est vraiment pour créer une haie vraiment style à la française. C'est un buxus, qui est persistant, donc qui ne perd pas ses épines l'hiver. C'est vraiment là, puis on peut vraiment créer des haies style à la française, coupées très droites, fermées des formes, un peu comme un labyrinthe. C'est vraiment le buxus qu'on va utiliser. Cependant, c'est très important de le protéger l'hiver parce qu'il est très fragile au vent ou au sel du déneigement. Alors, d'insérer une petite clôture en neige là, aussi pour le protéger, pour pas que ça fasse dans le centre. Ensuite, on peut aller, dépendant si on veut avoir des haies qui sont plus décoratives, avec des petits arbustes à floraison, des petits arbustes à feuillage, jouer avec les couleurs, avec les textures. Ici, j'ai un beau physocarpus. Les physocarpus qui sont vraiment des arbres qui sont très abondants. Puis maintenant, il y a des belles variétés avec des belles couleurs et ils ont une petite floraison. Mais c'est plus pour le feuillage qu'on va les utiliser. On peut les laisser aller, qui vont donner plus un aspect sauvage ou on peut se permettre de les tailler aussi. Souvent, on me demande, c'est quand qu'on taille nos arbustes. Les arbustes, c'est très important de les tailler si on veut vraiment leur donner une taille assez sévère avant qu'ils aient fait leur bourgeon. Ensuite, on pourra simplement, là, j'avais vu, juste tailler les petits rejets là, pour lui donner là, un port parfait, mais c'est vraiment avant l'ouverture des bourgeons qu'on va les tailler et à l'automne. Et après ça, pendant la saison, là, on peut juste là, leur donner, les tailler un peu, là, les ramifier un peu, mais la taille sévère va se faire au printemps. Ensuite, on a une autre variété ici de Nonimus, qui est dans les feuillages persistants aussi, c'est-à-dire qui ne perd pas son feuillage, qui est beau quatre saisons, même l'hiver. C'est un feuillage qui est là pendant quatre saisons de temps. Ensuite, on a les barbéris, que j'affectionne beaucoup. Cependant, il faut faire attention là, parce qu'il y a des petites épines. Mais des fois, c'est bon pour éliminer les chats qui viennent sur notre terrain. Là, on peut leur faire une belle haie de barbéris là, avec des épines. Ça va les empêcher de venir sur notre terrain. Puis les colorations de barbéris, vraiment, vraiment intéressantes. On a des colorations qui va aller du pourpre jusqu'au vert lime. Vraiment des belles colorations avec un feuillage qui est très dense et coloré. Ensuite, si on n'a pas un gros budget, puis on veut quand même se faire une belle petite haie qui est en fleurs, qui crée des belles couleurs, on a toutes les variétés de spirée. Dans les spirées, il y a énormément de variétés qui vont aller avec des feuillages qui sont limes, des feuillages qui sont verts, des fleurs qui sont roses, des fleurs qui sont jaunes, des fleurs qui sont blanches. On a vraiment un choix intéressant dans les spirées pour créer vraiment une petite haie là, qui est bon marché et quand même très jolie. Ensuite, on a bien sûr toutes les variétés d'hydrangées. Les hydrangées, là, maintenant, il y en a tellement sur le marché. On peut avoir des hydrangées qui sont bleues, des hydrangées qui sont blancs, des hydrangées qui sont roses. C'est sûr, quand on favorise des couleurs qui sont plus neutres comme le blanc, ça va être plus résistant pour nos hivers. Quand on prend des couleurs
qu'une coloration dans les hydrangées, bien, il va falloir lui offrir une protection hivernale là, l'hiver, là, parce qu'ils sont moins dans nos climats, ils sont plus zonés dans la zone 5 à peu près. Ensuite, toutes les variétés de saules. Les saules, mais pas en général, c'est vraiment des arbres qui sont très, très vigoureux, abordables. On peut créer des haies, on peut créer juste des massifs de couleurs. Il y a quand même des feuillages très intéressants dans les saules. Et comme tout le monde connaît, les saules, ça pousse vite. Donc, c'est vraiment vigoureux. C'est vraiment des arbustes qui sont vigoureux et qui sont bon marché et très le fun à utiliser. Ensuite, pour, comme que je disais tantôt, pour la taille, les seuls arbres qu'on va tailler, c'est ceux qui ont des floraisons printanières. Ceux qui ont des floraisons printanières, comme les torticias, les lilas, on va les tailler après la floraison. Fait que tout de suite après qu'il ait fleuri, on va les tailler. Fait que, mettons, la floraison est terminée, on va enlever à peu près 20 % de la grosseur de l'arbuste pour favoriser la floraison l'année prochaine parce qu'ils fleurissent sur le bois de l'année précédente. Les Wedgella. Les Wedgella, qui est une variété intéressante de faire des petites haies aussi. Puis dans les Wedgella, on a même les feuillages deux couleurs. On a des feuillages qui sont blancs et verts. On a une belle floraison et ça attire beaucoup les colibris. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis dans les Wedgella, il y a beaucoup de variétés aussi. On a des variétés qui sont plus hautes, qui vont aller jusqu'à 4-5 pieds. Il y a des variétés qui sont plus naines, qui vont aller seulement jusqu'à 2 pieds. Là, c'est vraiment de vérifier en centre jardin pour vous faire conseiller pour choisir les bonnes variétés. Et aussi, qu'est-ce qui est important, si on veut une haie qui est en fleurs, il faut leur offrir de la lumière. Alors, il faut les planter à la bonne place et leur offrir un bon sol. Le sol, c'est très important. Quand on va planter nos arbustes, on peut rajouter une mycorhize dans le sol, un bon compost de crevettes et ensuite mettre un granulaire aussi qui est très bon. Aussi, un petit truc, c'est des pelures de bananes. Pour les azalées, les choses qui sont plus acidophiles, on peut planter, mettre une pelure de banane, ensuite on met notre plant, on remet notre terre, puis on peut rajouter une pelure de banane. Ça, c'est... Dans les arbustes, il y a énormément de choix. Il y a vraiment, là, on peut créer vraiment une haie avec différentes variétés. On n'est pas obligé d'aller uniforme dans tout. On peut mettre 5 Wedgella ensemble, ensuite continuer avec des Physocarpus, offrir une taille qui va quand même les tailler plus court pour suivre la ligne. On peut aller avec des hydrangées. On peut vraiment user. Le beau, c'est de faire des massifs, de ne pas mélanger, pas que ça ait l'air d'une pizza non plus, là, mais vraiment là, de créer des petits massifs de coloration, jouer avec les feuillages, jouer avec les textures, vérifier. L'important, c'est de vérifier les zones aussi de rusticité. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est mieux, si on veut vraiment une haie qui est tolérante à nos hivers, de choisir là, des zones, des arbustes qui sont zonés 4 et moins. Alors, 4, 3, 2, là, il n'y a pas de problème, là, ça va tolérer nos hivers. Et tout ce qui est en haut de 4, bien, il faut penser à offrir une protection hivernale. Quand on dit protection hivernale, ça peut être une clôture à neige, ça peut être une toile géotextile, de la jute, et protéger le pied de nos arbres avec du paillis. Alors, vraiment, là, offrir, là, ici, là, j'ai une mousse, on peut offrir là, vraiment un paillis à la base de notre pied pour le protéger des intempéries de l'hiver. Alors, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours venir me voir au CERF, Sylvain Cléroux, et on va se faire un plaisir de vous donner des conseils pour créer la plus belle haie de votre été. On est prêt pour la plantation. Comment s'y prendre? Quand on plante un arbuste, c'est bien important de faire un bon trou. Quand on dit un bon trou, il faut y aller avec une fois et demie en profondeur et deux fois en largeur pour avoir la chance justement de rajouter de la bonne terre et les éléments nutritifs que l'arbuste va avoir besoin pour croître. Alors, pour débuter, on va mettre un os moulu. L'os moulu dans le fond de notre trou. On va faire un trou, une bonne incision, on rajoute un petit peu de terre, on met l'os moulu et on insère notre arbre directement dans le trou. On peut l'aider s'il y a un bon système racinaire, là, briser un petit peu les racines pour l'aider justement là, à s'étendre dans le fond. Sinon, quand on a des bonnes mottes comme ça, simplement rajouter de la terre, de l'os moulu, on met notre arbuste, on met de la bonne terre alentour. Et on peut également mettre au niveau des racines un transplanteur, qui est un granulaire qui va offrir pendant la saison, qui va se dissoudre avec l'eau de l'engrais là, d'enracinement pour notre arbuste, pour justement les racines le plus bien s'étendre dans le sol. Pour la terre, une bonne terre à jardin pourrait suffire pour un arbuste sans problème. Mais maintenant, sur le marché, il y a vraiment des terres qui ont tous les éléments nutritifs dedans, comme celle-ci, qui est la 3 dans un arbre.
C'est bien important de prendre une terre que c'est bien inscrit dessus que c'est pour arbres et arbustes, car on va vraiment trouver les éléments nutritifs dans la terre et on n'aura pas besoin de donner beaucoup d'apport, de rajouter de l'engrais ou tout, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans cette terre-là pour planter nos arbustes. On a un petit produit ici idéal pour nos plantes acidophiles qu'on doit faire deux fois dans la saison, donc au printemps et à l'automne, pour accentuer la couleur vive de nos plants comme des azalées, des bleuets, des hydrangées. C'est vraiment pour élever le pH et ça va faire vraiment la couleur bleue là, qu'on a dans les hydrangées et pour les azalées et les bleuets. Fait que c'est très important de répéter deux fois par année. Alors, on le met au début du printemps et à l'automne. On met ça, c'est un granulaire, ça se dissout dans l'eau, c'est très simple. Puis ça va permettre d'avoir la belle couleur vive là, de nos bleuets bleus et de nos hydrangées bleues. Parce que si on n'en met pas pour les hydrangées, il faut penser que si le sol n'est pas assez acide, ils vont devenir roses, ils vont perdre leur couleur de bleu. Parce que comme j'ai expliqué, ce sont les roses qui deviennent bleues. Aussi pour nos haies, nos arbustes, pendant la saison, des fois, ils ont besoin, ils ont fait l'hiver et au début du printemps, il y a eu des petits bouts qui ont été endommagés. On leur a offert une petite taille. Puis là, ils ont besoin d'avoir un petit boost, un petit peu d'énergie pour devenir très beaux. Alors, c'est bon d'ajouter un compost au sol, comme un compost de crevettes qu'on va mélanger dans notre sol. Et aussi, on pourrait offrir un engrais granulaire, comme le produit ici, qu'on ajoute simplement dans le sol. Et quand il pleut, ça se dissout tranquillement, puis ça va offrir un engrais pour nos arbustes. Puis on pourrait l'utiliser tout ce qui est conifères, arbustes, pins, cèdres et tout, il n'y a pas de problème. Aussi pour les engrais, bien, il y a des bonnes engrais pour les vivaces, pour les annuels. Gênez-vous pas, mettez de l'engrais. Vous pouvez prendre du granulaire, vous pouvez prendre de l'engrais soluble, pas de problème. Il faut donner des vitamines à nos plantes pour qu'elles soient vigoureuses. Autant pour les arbustes, les arbres et les fleurs, il faut leur donner des vitamines. On parle de plantes. Quand on parle de plantes, il y a des plantes qu'on peut produire, d'autres qu'on doit importer.